cette sauce barbecue au Jack Daniel's et au goût fumé, vous allez avoir besoin de Jack Daniel's, de ketchup, de purée de tomates, d'ail, d'oignon, d'huile d'olive. En épices, du pimenton de la Vera et du piment d'Espelette. En aromates, du vinaigre de cidre, de la mélasse, du miel et du sucre roux de canne. Pour renforcer le goût fumé facultativement, vous utiliserez ici de l'arôme de fumée liquide que j'ai trouvé sur le web et qui provient des États-Unis. Donc dans une casserole en inox à fond lourd, on a mis un fond d'huile d'olive, on fait suer les oignons, on va ajouter l'ail, la valeur d'une gousse, et on va déglacer avec le Jack Daniel's. Là on va être généreux. J'ai mis 6 centilitres de Jack Daniel's. On va laisser réduire. Alors au bout de 3 ou 4 minutes, on va ajouter la tomate. Le ketchup. On va baisser un peu le feu. La mélasse. Le sucre roux. Le miel. On va mettre 2 cuillères, 2 belles cuillères. Le vinaigre. Le vinaigre de cidre. Et les épices. Le piment d'Espelette. Et le pimenton de la Vera. On va mettre 1,5 cuillère. Là maintenant, on va laisser réduire une dizaine de minutes. On va la lisser un peu au fouet. Et on va la goûter. Je pense qu'on peut rajouter un tout petit peu de vinaigre.
comme ceci. On va ajouter un trait de fumée liquide, d'arôme de fumée liquide. Voilà, nous allons regoûter. Là, elle est superbe. On va juste assaisonner un peu. Voilà, un peu de poivre noir du Kerala. Et une pincée de sel. Alors voilà une sauce barbecue maison qui pourra ravir vos invités. Je suis sûr qu'ils vont même vous demander la marque. Voilà, on va laisser réduire encore une ou deux minutes et après on va débarrasser et refroidir. Donc voici notre délicieuse sauce barbecue maison. Elle est onctueuse à souhait. Donc je l'ai goûtée tout à l'heure, j'ai rectifié l'assaisonnement. Donc ce qu'il y a de bien avec cette sauce, c'est que c'est vous qui l'aurez fait. Et elle est quand même légèrement différente des sauces barbecue industrielles. Et si vous suivez exactement ma recette, eh bien vous aurez effectivement ce petit goût fumé qui est très agréable à déguster donc avec... une viande grillée, à la plancha, au barbecue. Voilà, une superbe sauce.